Revenons maintenant sur ce qui se passe à la bande de Gaza et le conflit entre le Hamas et Israël. Évidemment, les pays qui sont autour regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Gaza a une frontière au sud avec l'Égypte. Et d'ailleurs, c'est par là que les gens qui ont réussi à quitter ou qu'on a laissé, ça serait peut-être mieux de le dire comme ça, quitter son parti. On va retrouver Justine Babin, correspondante en Égypte pour Les Échos. On la retrouve en direct du Caire, en Égypte. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Michel-Jean, bonjour à tous. Donc, de votre point de vue égyptien, vous observez ce conflit-là vers qui les yeux du monde sont tournés. Comment en Égypte on perçoit ce qui est en train de se passer là? Alors, il faut savoir que la population égyptienne est foncièrement pro-palestinienne. Donc, depuis le début du conflit, les gens avec qui je parle dans la rue, dans la capitale, le Caire, n'ont pas justifié les actes du Hamas, mais font preuve d'un très fort soutien avec la population palestinienne. Paradoxalement, les autorités égyptiennes, mais aussi la population, ne sont pas pour le fait d'ouvrir les portes et de permettre un afflux massif éventuellement de réfugiés vers la péninsule du Sinaï et l'Égypte en général, pour plusieurs raisons. Déjà des raisons idéologiques, puisque les Égyptiens et les autorités égyptiennes ont peur qu'en ouvrant les frontières, que cela en fait, donne lieu à une migration définitive des Palestiniens qui ne puissent plus ensuite retourner à Gaza et que ça mette un terme à la question palestinienne. Et ensuite, pour des raisons sécuritaires, parce que la péninsule du Sinaï est une région ultra-militarisée, par laquelle passe un pipeline, une région où il y a eu ces dernières années des affrontements importants entre l'armée et des groupuscules islamistes. Est-ce que les bombardements à Gaza, encore une école aujourd'hui, un hôpital, plutôt encore hier, un autre bombardement, est-ce que ça... Et puis là, on remarque dans le monde, les positions face à Israël commencent à changer, puis certains pays commencent à ramener leurs ambassadeurs et fermer leur ambassade en guise de protestation. Est-ce que ces événements-là ont une influence sur la position et sur l'Égypte ou pas? Donc, il faut rappeler que l'Égypte attend des élections présidentielles en décembre. Pour l'instant, il semblerait que le président Abdel Fattah el-Sissi, qui est candidat à un renouvellement pour un troisième mandat, ne soit pas vraiment affecté politiquement par ce qui se passe, plutôt au contraire, puisque comme j'ai expliqué avant, l'Égypte et la population et sa population sont plus ou moins d'accord sur le fait de ne pas ouvrir la frontière aux populations civiles gazaouis, mais à l'inverse de laisser passer quand même de l'aide humanitaire pour venir en aide à la population sur place. Du point de vue politique, pas vraiment de conséquences majeures pour l'instant. Du point de vue économique, on peut signaler que l'Égypte reçoit une partie de son gaz naturel qui lui sert à produire de l'électricité via Israël et que cette production, enfin cet acheminement du gaz naturel avait été suspendu ces derniers jours et ça a occasionné une augmentation des coupures d'électricité au Caire. Donc Israël a aussi des moyens de faire pression sur l'Égypte, si je comprends bien. Évidemment, enfin, l'Égypte et Israël ont, depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 1978, après la signature des accords de Camp David, collaborent dans différents domaines, des domaines sécuritaires, mais aussi des domaines économiques. Donc, dans les deux sens, il y a des liens importants et je pense que ni l'Égypte ni Israël n'ont envie de mettre un terme à cette collaboration. Alors, Justine Babin est correspondante en Égypte. Pour Les Échos, on lui parle en direct du Caire. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée. Et bonne journée.